Le Christ est ressuscité. Chers amis, bonjour. Saint Paul, dans la lettre aux Romains au chapitre 5, verset 8, nous dit, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ, alors que nous étions encore pécheurs, est mort pour nous. Dieu nous a donné une preuve qu'il nous aime. Il n'a pas attendu que nous revenions vers lui. Il n'a pas attendu que nous le cherchions pour venir nous sauver. Alors que nous étions encore pécheurs, alors que nous étions loin de lui, le Christ est mort pour nous. Dieu a tant aimé le monde, il t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique. Il a décidé d'entrer dans l'histoire de l'humanité en se faisant homme pour nous dire, je t'aime, je suis avec toi, tu n'es pas seul. La preuve que Dieu nous aime, c'est que Jésus-Christ s'est livré en sacrifice d'expiation pour nos péchés, avant même que nous retournions vers lui, avant même que nous le cherchions. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, je t'aime, tu comptes beaucoup à mes yeux, tu as du prix, je suis mort pour toi, afin que tu puisses vivre une vie nouvelle. Ouvre ton cœur et mets ta confiance en Jésus. Et alors, ta vie changera radicalement. Décide de marcher avec Jésus et de lui laisser toute la place dans ta vie. Et alors, il deviendra le Seigneur de ta vie. Et ta vie va être remplie de son amour, de sa grâce. Prions. Oh oui, merci Seigneur Jésus, parce que tu nous as donné, tu m'as donné une preuve de ton amour en venant dans ce monde, en mourant sur la croix. Seigneur Jésus, je mets ma confiance en toi et je crois que tu m'as sauvé. Merci Jésus. Merci d'avoir regardé ce message. J'espère que vous l'avez aimé et je vous invite à le partager à vos amis, à cliquer sur le bouton j'aime et à vous inscrire à notre chaîne YouTube. Ensemble avec ma communauté, nous prions pour vous et pour votre famille. À demain!